Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les filles et les garçons. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un colis Sephora. J'ai déjà ouvert, j'ai tiré un petit peu. Aujourd'hui vidéo, on est mercredi donc j'ai ma Lily avec moi et elle me dit maman je peux venir avec toi. Je crois bien qu'elle a pris le pli d'être là pour les vidéos. Bonjour. Voilà. Alors Sephora, vous connaissez tous la marque Sephora et qui distribue d'autres marques. Alors, j'ai voulu, moi, commander. Tiens, déjà dans le colis, il y a ça. Ça, c'est sympa. Valable jusqu'au 9/11. Profitez de 7 € offerts, de 50 € d'achat sur le code. Elle se fout de moi. Mais non. Fais des grimaces. Allez-y. C'est important. Profitez de 7 € offerts, des 50 € d'achat sur Sephora avec le code HIT. H-I-T. Voilà. Et ce petit bouquin, j'aime bien, il est assez sympa. Ce que je trouve même dommage, bon, ils mettent exclu web, mais ce que je trouve même dommage, c'est que tous les abonnés de chez Sephora sur le site web ne reçoivent pas ça tous les mois. Car comme là, vous voyez, je viens de voir un petit échantillon de parfum à l'intérieur de chez Kenzo. Et il y a plein de nouveautés, au moins ça peut nous dire ce qu'il y a en avant et puis nous donner encore plus envie de commander. Mais bon, c'est pas l'ordre du jour. Ensuite, on a la facture, une facture sans prix. Tu la veux? Il n'y a pas les prix, Nénette. Quoi cette facture? Il n'y a pas les prix. Donc voilà. Mais on ne pourra pas savoir après. Hein? Ça pousse. Non, mais les filles, elles vont sur le site Sephora. Elles connaissent. C'est vrai. Elles connaissent bien Sephora. Hein. Donc je demande à chaque fois une boîte cadeau car dedans je range tout mon maquillage, j'aime bien. Ou alors si je veux faire un swap ou si je veux envoyer autre à mes copines autres ou même dans ma famille ou autre. Ces boîtes-là sont super costauds. Alors, tiens, un échantillon, deux échantillons, trois échantillons, on en reparle après des échantillons. Alors, en fait, si tu veux piocher, tu commences par celui-là. Oui. C'est Lily qui va me donner les produits. Alors, j'ai commandé ce produit-là de chez Clinique. C'est un soin pour les yeux qui fait 15 ml. C'est le soin All About Haze. En fait, j'ai connu ce soin grâce à YouTube. Petite notice, il est dedans le produit. Grâce à YouTube, avant YouTube, j'ai toujours été une passionnée de make-up, toujours maquillage et tout, j'en avais toujours. Mais les soins, j'avais une crème de jour, une crème de nuit, un gel douche, un lait pour le corps. Enfin, j'y prêtais pas plus attention que ça et c'est vraiment YouTube, au niveau soins pour visage et le corps, qui m'a, entre guillemets, développé mes sens. C'est-à-dire que maintenant, je prends vraiment plaisir en tout ce qui est soins et je fais des belles découvertes. Et celle-ci, pour ma part, fut une belle découverte car j'ai le contour des yeux qui est très desséché, qui a besoin d'être nourri, d'être hydraté. J'ai essayé beaucoup de... Je sais que t'as rien dit, Mimi. J'ai les gros yeux. J'ai essayé beaucoup, je vais y arriver, de soins pour les yeux. Et là, le Sobioïtique à la rose, où je vous ai fait un article sur mon blog, je le trouve quand même pas mal. Plus en période printemps-été, parce que pour l'hiver, il ne va pas être assez nourrissant. Donc j'ai aussi le Benefit, alors le nom je m'en souviens plus, c'est un nouveau, qui était dans la Pop Art, la Glossy Box, que je suis en train de tester. Il a exactement la même texture que le Clinique. Je le mets donc le soir, j'aime bien. Alors ce que je fais, c'est qu'en fait je mets une petite noisette comme ça, je tapote, je fais tout le tour de l'œil, même jusque là au niveau des tempes. Mais là j'insiste bien ici parce que moi c'est là où j'ai les ridules et les zones de sécheresse. Et je ne le fais pas pénétrer, je laisse comme un masque. Ça fait au moins, sans vous mentir, ça fait un an. Ah non, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, moi. Pas 4 ans. Bah mince. Non, ça fait pas 4 ans. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube parce que ça fait un an que je l'ai... que je l'utilise plus. Ouais, disons, bah ça passe vite. Tiens, je me rends compte de ça. Ouais. Donc voilà, ensuite autre produit, vous avez vu sur mon Instagram et sur ma chaîne, alors attention, je passerai après,
des crash tests sur des masques en tissu que j'ai acheté sur le site Paradis Rose, les masques en tissu, où dedans il y a le soin bien imprégné. Je vous ai fait une vidéo crash test où vous pouvez aller la revoir. Et là, j'ai eu envie de tester ceux de la marque Sephora. Gracia, The GM68 les utilise énormément. À chaque fois qu'elle va chez Sephora, elle en prend toujours et elle les aime beaucoup. Je me suis dit, mais je vais les tester. Car en fait, celui-là que j'ai eu, là, Q10 de chez Tudalus, il est topissime. Il est vraiment génial. D'ailleurs, il m'a vraiment bluffé. Ça m'a donné envie de connaître d'autres marques. Et sur le site Paradis Rose, je vais refaire justement une commande avec d'autres masques. Elle en a rentré d'autres sur son site, donc ça me donne vraiment envie de tester, dont au miel. On va voir ça. Donc là, j'ai pris un masque anti-âge lissant et défatigant énergisant. Donc il y en a un qui a la pomme-granate. Alors celui-ci va... donc c'est un masque enrichi à l'extrait naturel de grenade. Il atténue les signes de fatigue, réveille et tonifie la peau pour une peau pleine d'énergie, fraîche et radieuse. Moi, je préfère en fait utiliser les masques en tissu. J'aime bien le soir en regardant la télé. mais là, vous voyez ce qu'il fait au niveau de l'énergie, tout, c'est à utiliser plus le matin. Donc je verrai le samedi matin, dimanche matin quand je ne travaillerai pas. Ensuite, le deuxième masque que j'ai voulu tester, c'est au Lingqi. Voilà, donc lui il aide à lutter contre les signes de l'âge, repulpe la peau pour la lisser, pour une peau rebondie, éclatante et d'apparence plus jeune. Voilà, ces deux masques-là. Tiens, ça pourrait même faire les oreilles de l'autre. Oui, mini plutôt. Bref, donc voilà. Alors les prix, je vous laisse aller voir sur le site de Sephora, parce que je m'en souviens plus. Par contre, je sais que ceux du site de Paradis Rose, en plus c'est des masques coréens, sont beaucoup moins chers que ceux de Sephora. Donc je reviendrai soit dans les produits terminés pour vous en reparler, soit pour, comme ça, vous en reparler, je sais pas, non, viens boire un café avec moi, ou je sais pas. Par contre, ce qui m'a fait bizarre, c'est que, bon, voilà, l'ouverture, ça se présente comme ça. Vous avez le masque à l'intérieur, voilà, hop. Et sur ceux de Paradis Rose, ils sont rectangulaires. Et en fait, j'ai remis le masque à l'intérieur, car c'est encore imbibé plein de produits. Et je l'ai fermé avec une pince exprès, que là, je vais pas pouvoir faire... Vous voyez, je ne vais pas pouvoir faire la même chose. Donc ça déjà pour moi, ouais, voilà. Bon, on va bien voir ce que ça va donner. Hop. Et ensuite, notre catégorie de masques chez Sephora. Lui, j'en ai pas du tout entendu parler. Je ne sais même pas si Gracia l'a déjà utilisé. C'est un masque défatigant aux yeux, encore mieux qu'une sieste. Un problème, une solution. Donc c'est écrit comme ça. Alors, il met derrière, là, le Sephora. Qu'est-ce qu'il met, le Sephora? Parce qu'il atténue instantanément les poches et les cernes grâce à sa combinaison active, énergisant et tonifiant. Il contient aussi de l'hydrocène. Il défatigue immédiatement. Il faut laisser poser 10 à 15 minutes. Inutile de rincer. Les poches ont atténué les cernes moins visibles. Regard défatigué, contour de l'œil hydraté. Donc, on va voir... Je vous en reparlerai, on va bien voir. Pareil, le prix, je ne me souviens plus. Et en échantillon, je n'ai pas voulu l'acheter parce que L'Oréal, ce n'est pas du tout mon pote. Et pourtant, ça m'aurait bien donné envie car j'aurais bien... Oui, je fais des allergies à L'Oréal. J'aurais bien voulu le tester, surtout au niveau de la texture, voir ce que ça donne. Donc, je l'ai pris en échantillon. On va bien voir. Ensuite, en échantillon, j'ai choisi le nouveau Kenzo Jeu d'amour qu'on retrouve dedans. Voilà. Ça, j'ai deux boîtes complètes d'échantillons, en fait, que je ne me sers pas du tout. Je collectionne tous les échantillons comme ça. Avant, je collectionnais les petites bouteilles, je collectionnais les grandes bouteilles et tout. Ouais, il n'y a plus de trésor. Je garde que les belles bouteilles. Et le dernier échantillon, c'est le Spa & Mon Bomb. Voilà. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos ou juste là un code promo que vous pourrez, un code promo qui est valable jusqu'au, je sais plus combien du mois d'octobre, je me souviens plus du tout, ça se trouve même quand je vais vous poster ma vidéo, ce sera même plus valable, je sais pas. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et je reviendrai vous dire ce que je pense de tout ça. Je vous dis à bientôt et smile and zen.